Réveille-toi. C'est Japan Zelda et je suis très émue, très heureuse, au comble du bonheur de pouvoir vous saluer ainsi sur cette toute première vidéo de notre aventure sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ce jour l'a attendu, je l'ai attendu personnellement très très longtemps, il a été très long à venir parce que c'est un Zelda qui doit un petit peu bousculer pas mal de codes, on va en reparler tout à l'heure. Mais voilà, j'ai l'impression que ça fait des années que je l'attends et pourtant, tu sais, ça doit quand même bien faire un an déjà. Ça fait un petit peu long, mais bref, voilà, aujourd'hui c'est bon, ça y est, on l'a, il est là, on va le mettre dans pas longtemps, on va y jouer dans pas longtemps ensemble. Mais d'abord, voilà, je voulais vous présenter la version collector sur Switch qui est ici, que j'ai bien cru qu'il allait me passer sous le nez, mais ça va. J'ai réussi à gérer à temps. C'est une grosse boîte. Je ne m'y attendais pas quand je l'ai reçue. C'est une très très jolie boîte. Vraiment sympa. Que j'aime beaucoup, que je vais garder parce que je garde beaucoup les packagings de certains jeux ou certaines figurines qui me plaisent. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Parce que dans cette édition collector, donc forcément il y a le jeu sur Switch. Il y a une réplique de l'épée de légende de la résurrection, très très jolie d'ailleurs, je l'ai déjà vue, hein, je suis désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai déjà ouvert, mais je vais le réouvrir avec vous. Et un CD avec les musiques du jeu. Alors je pense pas qu'il y ait la totalité des musiques, mais il y en a déjà pas mal. Et c'est toujours à avoir quoi. Donc déjà pour commencer, voilà le CD, il est beau. Il est beau, il est simple, il est efficace. La version du jeu sur Switch. Alors c'est très très drôle parce que du coup la version sur Switch, je tiens la boîte pour pas qu'elle se casse la gueule, derrière c'est écrit en plusieurs langues. C'est assez perturbant. Mais moi ce qui m'a fait surtout rire la première fois que je l'ai prise en main, je fais des galipettes, je vous raconte pas, c'est regarder la différence au niveau de la boîte entre la Switch et la Wii U. Alors je sais pas si c'est parce que je pense que le CD du coup doit être beaucoup plus petit, hein. Je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas, mais c'est rigolo de voir le packaging qui change et du coup le gain de place entre guillemets qu'on va pouvoir faire avec les jeux de Switch que je n'ai pas, mais c'est pas grave hein, vu qu'il est sur Wii U, on va en profiter sur Wii U, ça ne changera en rien notre aventure. On s'en fiche de ça, sur quelle console on y joue, tant qu'on peut y jouer, on s'en fiche. Là, est-ce que je vais réussir à sortir? Oui. C'est une grosse boîte encore à l'intérieur, parce que franchement, on aurait pu se demander pourquoi une aussi grosse boîte pour un petit jeu et un CD. Voilà, la grosse boîte, qu'elle est si parfaite, j'adore. Casse pas la gueule, Link, reste avec moi. Voilà. Donc la grande boîte avec le logo en français, enfin en français, anglais comme vous voulez, et sur le côté le logo en japonais. Et là, ça m'a fait beaucoup rire parce que Eiji Aonuma, lorsqu'il a ouvert le paquet, il a dit regardez, vous pouvez voir l'écriture en japonais même si je pense que vous pourrez pas lire. Et moi d'ailleurs j'ai fait si, moi j'arrive à lire, moi c'est bon, moi je sais faire. Du coup ça m'a fait rire. Alors à l'intérieur, alors ce truc est très très bien protégé parce que c'est vraiment une figurine superbe à laquelle il va d'ailleurs falloir que je trouve une place quelque part. Donc vous voyez le gros truc en polystyrène et c'est déjà un peu lourd. Et là voilà la petite merveille, la raison pour laquelle il me fallait cette version Switch. La voilà, regardez-la. Admirez-la bien, j'espère que vous la voyez. C'est une beauté intersidérale, intergalactique. C'est beau.
C'est vraiment très très joli. C'est une belle figurine, bien lourde, le socle est très lourd. Et du coup, j'avais vraiment besoin de la version, enfin de l'édition collector Switch pour faire l'intro que vous avez dû voir, qui j'espère vous a plu, c'est tout à fait amateur, hein. C'était vraiment, je tenais à faire quelque chose pour tous les Zelda, et celui-ci m'avait inspiré une intro un peu particulière, donc le fait de reprendre le trailer que l'on connaît tous, qui nous a tous transportés, et de le revisiter à ma manière, parce que je voulais montrer dans ce trailer que on va vivre bien sûr probablement la plus grande aventure de tous les temps avec Link, mais je voulais aussi montrer que si on se donnait la peine de regarder un petit peu autour de soi, il y avait moyen d'écrire notre propre aventure, de la vivre nous aussi, hein, on a plein d'endroits que l'on peut explorer, que l'on peut visiter, et du coup j'avais envie d'essayer de retravailler ce trailer version réelle pour vous montrer que voilà, notre aventure elle est aussi bien avec Link, mais elle est aussi dans notre monde à nous. Voilà, donc j'espère que mon petit trailer à moi vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusée à le monter. Je remercie beaucoup ma mère qui m'a pas mal trimballée dans des coins un peu farfelus pour trouver les plans qui m'intéressaient. Et je remercie aussi mon copain de m'avoir aidée et de m'avoir aussi emmenée là où il fallait pour faire mon petit trailer. Donc voilà, c'est la version collector. J'en suis dingue. Je vais la poser je ne sais pas où encore. Je vais dégager un petit peu tout ça avant que l'on commence l'aventure. Mais voilà, ça y est, c'est bon, on y est. On va pouvoir enfin jouer. Et je vous parlerai peut-être un petit peu plus du jeu quand on sera dedans, parce que c'est plus sympa pour vous de m'entendre parler tout en regardant ce qui se passe dans le jeu que de simplement faire un petit truc comme ça. Donc voilà, je vais simplement vous montrer la version collector, vous parler un petit peu du trailer que j'ai... du trailer, de la petite cinématique que j'ai mis en début. Et puis je vous dis... Let's go! On y est, j'espère que vous êtes prêts, putain. Oh my god, c'est en français. Ouvre les yeux. Oh my god, tu es si beau. Regardez-moi ces pecs. Je vous avais prévenu, hein. I look at... Pardon. Il est très bien ton caleçon, Link. J'approuve la mode de ton époque. J'approuve tellement. Dans une baignoire. Ça fait un petit peu longtemps que tu prends un bain, non? Tu vas avoir la peau toute fripée. Oh putain, qu'est-ce qu'il est canon. Ah! Ça, par contre, c'était un truc très bizarre. Oula. Oui. Un socle. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau en caleçon comme ça, regardez. Oh là 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 là. Je ne m'en lasserai jamais, putain, c'est parfait. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là. Non, ne disparaît pas, reste avec moi. Oh là là, ses yeux. J'aime beaucoup comment ils ont fait les yeux, ils sont très détaillés, ils ont de belles lumières, une belle profondeur. Oh là 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 là. Il est canon, il est putain de canon. Les commandes du coup, d'accord, ça c'est pour faire la vue. Alors je suis un peu perturbée par cette espèce de truc là, c'est un peu bizarre, on a une technologie un petit peu étrange. Oh là là, cette vue sur son dos, putain, faut que j'arrête, ça craint,
faut que j'arrête, faut que je me taise. Ok. C'est en français. Alors j'avais vu qu'apparemment on ne pouvait pas changer. Je vais monter un poil le son parce que je m'entends pas bien. Voilà. J'avais vu qu'on ne pouvait pas changer les paramètres audio. Ce qui est dommage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en japonais. J'aurais bien aimé entendre le doublage en japonais. J'aurais pu mettre en anglais, sauf que tout aurait été en anglais, c'est-à-dire les commandes, l'histoire, etc. Et ça n'aurait pas été cool pour vous parce que j'aurais dû traduire et comme c'est du tac au tac, ça n'aurait pas été très, très intéressant, dirons-nous. Donc ça, je suis un petit peu déçue, mais il paraît que le doublage français n'est pas si mauvais que ça. Donc on va voir, mais mon âme de comment on dit, de fan de la langue japonaise a un petit peu du mal. Mais je vais essayer de m'ouvrir un peu plus. Prends cette tablette, Sheika. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Tablette Sheka, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Intéressant l'utilisation du vous plutôt que du tu. L'immersion aurait pu être peut-être un peu plus totale avec du tu et en même temps, comme on n'est pas vraiment Link, le vous ça permet aussi de s'en éloigner un petit peu. Oui, ouais, je valide. Je valide. Par contre, comment vous prononcez? Moi, je prononce les Sheika. Vous dites Sheika, vous? Pardon. Moi, je dis Sheika. Et elle, apparemment, elle prononce Sheika. C'est pour ça que j'aurais bien aimé entendre en japonais pour voir... Oui. Boum. Oh, ça y est, on commence. On est Link. On pète des tonneaux. On pète des pots. On n'a rien à faire. Oh là là, la lumière, c'est beau. Un vieux pantalon. Ce pantalon criblé de trous est un peu court et très usé, mais plutôt confortable. Est-ce que j'ose sortir de ce coin avec Link en calbut? Non, quand même, on va être un peu sérieux. Cette chemise légère aux coutures fragilisées a été fabriquée il y a longtemps, mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. Bon, ben Link, semblerait que tu vas porter des fringues qui ne te vont pas. Putain, qu'est-ce qu'il est sexy. Ok, je me calme 2 secondes. Attendez, je bois un peu de thé. Voilà, 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 voilà. Ah mon dieu. Que quelqu'un m'aide. Oh, on cache ton torse. On cache tes belles jambes. Oh non, c'est pas grave, je te remettrai en calbut plus tard. Je crois qu'il y avait d'autres trucs là, non? Ouais. Il n'y a rien dedans. Tac. Non, bon d'accord. J'ai tout pris, hein. Ouais. Place la tablette Sheika sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Vérification de la tablette Sheika. Du coup, je vais dire Sheika, mais... Ouverture. Je suis très très intriguée par le lore de ce nouveau jeu. Vraiment, on en reparlera après. Je vais me taire un petit moment. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ses yeux, putain, mais ses yeux. Tu es notre lumière. Celle qu'Hyrule avait perdue. Va. Mets-toi en route. Mm-hmm. Je peux savoir pourquoi j'étais dans un espèce de baignoire un peu bizarre? S'il vous plaît, dites-moi, Yahoo, dites-moi, Yahoo. Non, personne. Bon, d'accord. Allez, grimpe, chérie. C'est parti. Notre aventure commence ici. Dites-vous qu'on peut explorer tout ça, quoi.
J'en ai des frissons le long du corps. Oh putain. Hey Pépé! Mais t'en vas pas? Attends! Bon, on va aller le chercher. Plateau du prélude. Fort bien. Putain, qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi cette lumière! Non, on va pas se jeter de là-haut. Donc, je disais que j'étais particulièrement intriguée. Branche d'arbre, on peut en trouver partout. C'est très agréable à manier. Peut tout à fait servir d'une arme une fois équipée. D'accord. Que j'étais très intéressée par le lore de ce nouveau jeu, tout simplement parce que il y a énormément de champidirules, pousserait des armes, ok, énormément d'indices sur la civilisation Sheikah. Tiens, je dis Sheikah maintenant, Sheikah, dont on ne sait en fait pas grand chose, hein, depuis le tout début. Tout ce qu'on sait, c'est que les Sheikah, ils ont été plus ou moins, oulalalala, exterminés. Et on n'a jamais vraiment vu de peuple Sheikah, on n'a jamais vraiment vu de technologie Sheikah, etc. Donc c'est la première fois que dans un jeu de Legend of Zelda, la mythologie, la religion Sheikah va vraiment être présente. Donc je suis vraiment très 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 intriguée par tout ça. Je suis très intriguée aussi de savoir ce que Link faisait dans cette espèce de baignoire, comme s'il avait été cryogénisé. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et j'en attends beaucoup de ce nouveau Zelda, et je suis sûre qu'il va y avoir plein de choses à apprendre. Donc j'ai très hâte de partager tout ça avec vous. Au niveau du format vidéo que je vais vous proposer pour ce jeu, c'est que... Oula, c'est pas une très bonne idée. Ah, je vais baisser l'arme. C'est que, étant donné que c'est un jeu qui va beaucoup se concentrer sur des phases d'exploration, hein, c'est un open world dans lequel vraiment on peut tout visiter. Vous voyez la montagne là-bas qui fait beaucoup penser au Mont du Péril. Ben, si on a la patience, on va y aller. On va y aller. Alors que dans, par exemple, l'exemple le plus... comment on dit, probant que j'ai, c'est dans... Ok. Ah pardon, je prends trop mon temps, c'est ça? Tu te dis que je me suis perdue? Mais en fait, non. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Oui, mais non, là je suis en train de parler à mes abonnés, là. Est-ce qu'on peut attendre 2 secondes? Oui, d'accord. Donc je disais que c'était un open world, et dans Ocarina of Time, par exemple, toute la carte d'Hyrule était délimitée par des espèces de falaises que vous ne pouviez pas passer. Donc le principe de ce nouveau Zelda, c'est qu'on va vraiment pouvoir partir en exploration n'importe où. Où on veut, quand on veut, aller aussi loin que l'on veut, revenir, partir, etc. Et ça, ça va être vraiment le point fort de ce jeu. Également, il va bousculer beaucoup de codes. Dans The Legend of Zelda, au début... on est obligé de suivre les donjons dans un certain ordre, on peut pas les faire comme on veut. Ce qui va apparemment être le contraire d'ici. On devrait pouvoir faire les temples dans l'ordre entre guillemets que l'on veut, c'est-à-dire par exemple si je vais à l'autre bout... Tiens, j'ai trouvé une branche encore. Si on va à l'autre bout là-bas et qu'il y a un temple, a priori on devrait pouvoir le faire. Plutôt que de dire ah ben non, je suis allée là-bas pour rien, il faut que j'aille faire ce temple à l'autre bout là-bas. Ça va vraiment être super cool. Je trouve plein de trucs, c'est bien. Ça va vraiment bousculer les codes que l'on connaît de The Legend of Zelda, et en même temps ça va nous donner beaucoup plus de liberté, et ça va vraiment correspondre à cet open world hyper... vraiment grandiose, quoi. Et du coup, comme il va y avoir beaucoup de phases d'exploration, je vais devoir certainement couper énormément mes parties pour vous épargner toutes mes phases de recherche et d'amélioration d'armes, etc. Parce que dans ce jeu, oui, on va pouvoir améliorer nos armes, nos habits, etc. Donc je vous épargnerai ça et de toute façon, vous le verrez pas. Hein. C'est moi qui vais me faire chier au montage, mais vous, ça devrait aller. Monsieur, je vous pique votre pomme grillée. Excusez-moi. Hop là. Hé, hey, ma pomme grillée. Allez, va, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu?
Hein? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis longtemps. Depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme? Que viens-tu chercher par ici? Justement, je ne sais pas. Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme. Et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Tu dis fruit parce que je t'ai piqué une pomme? Ouais, bon, ok. Et je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude. Le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. J'aime bien parce qu'il montre pas du tout ce coin-là, mais bon. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine. De même que le royaume tout entier. Ce n'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Est-ce que ça fait 100 ans que Link est en train de pioter? Enfin, du moins, c'était ce qui était sous-entendu dans le trailer. Je veux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche. Jouer avec le feu. Mais tu es un vrai danger public. Prends garde à ne pas brûler la forêt entière, la végétation s'enflamme vite. Cela dit, il y a pas mal de monstres dans les environs, ça pourrait faire une arme intéressante, qui sait. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir, il faut jauger son adversaire, évaluer les distances. D'accord. Ok, ça devrait aller, je pense. J'ai rien d'autre à récupérer là. Non, par contre, j'aimerais bien voir, est-ce que je peux faire griller une pomme? Ça va marcher! Je suis deg. Ah, bref. Allons. Oh, petit lézard! Reviens! Lézard! Voilà. Hache de bûcheron. Nickel. On va changer d'arme. Voilà. Nickel. Oh là 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 là. Regardez-moi comme c'est beau! Ah, je vais vraiment. Je suis désolée. Hein. Je vais vraiment prendre du temps pour récupérer des. Ah non! Oh, ma pomme! Ma pomme! Ah! Ma pomme! Je vais vraiment prendre mon temps pour... Non, ok, il veut pas la prendre, c'est trop lourd. Pour explorer, etc. Donc je vous couperai toutes ces parties-là au montage, hein, vous inquiétez pas. Et dès qu'il y a des trucs bien, bah, je vous les remettrai. J'aimerais bien voir où je vais, Link. Bon, et ben on va aller faire un tour là-bas, je suppose. Ouais, on va aller voir là-bas parce que je suis persuadée que c'est le temple du temps. Merde, je voulais sauter. T'es quoi toi? Un korogu. Ah, tu m'as trouvé. Hein? Oh, mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noia. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noia, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Une noix de korogu. Petite noix que vous avez. Luffy, ça suffit maintenant. Ah, il faut en trouver beaucoup et ça porterait bonheur. Fort bien. Au fait, mes amis adorent se cacher. Et vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. D'accord, donc le but étant de trouver les korogus. Fort bien. Allez, go. Comment tirer? Allez, encore. Ah, ben voilà. Notre Excalibur. Pas. Ou pas. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, les grenouilles! La grenouille! Grenouille! Ah non, j'ai peur en endurance. Ça craint. Attends. Je pense que ça, on pourra le faire exploser avec des bombes le jour où on en aura. Je suppose qu'on en aura. Ah, oh, je le savais, c'est le temple du temps, putain. 100 ans. Mais c'est quoi ces machins? Oh, une vis antique. Mais qu'est-ce que ces trucs?
Rien que les avoir vus dans le trailer, moi, elles m'ont donné froid dans le dos, ces bestioles. Oula. Ah, salut. Il est temps que je te que je poutre ta gueule, peut-être. Salut. Mais bien sûr, lâche-moi ce pot, il t'a rien fait. Et oh, dégage. Ok, nice. Une corne de bocoblin. Elle donnera rien bon en cuisine, mais peut-être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. La grenouille! Mais je crois que j'arriverai pas à l'avoir. Oh, un coffre! Il va vraiment falloir faire attention à tout, quoi. Un arc de voyageur. Utilisé en combinaison avec des flèches, ce petit arc léger. Génial! Cool! C'est trop parfait. Alors là, je suis un petit peu déçue parce que normalement, quand tu casses des pots, t'es censé avoir des... Oh! Bon, mais des flèches. Toujours ça de prix. Mais moi, je voulais des rubis. D'ailleurs, est-ce qu'on va toujours avoir la monnaie des rubis dans ce... Dans ce The Legend of Zelda, vu qu'on oublie totalement les cœurs. Nombre brut. J'ai pas regardé... résine végétale fossile, dérule, qui brille d'un éclat caramélisé, se porte en bijoux, sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. D'accord. Parce qu'on n'a plus les cœurs. Pour se restaurer, maintenant, on mange. Vraiment. Link mange. Et je trouve ça super cool. On peut cuisiner aussi. J'ai hâte. Putain, on dirait les statues de Skyward Sword, quoi. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. Je suis intriguée. Temple du temps. Mais dans quel état tu es? Ça me fait quand même un pincement au cœur, hein. Je sais pas vous, mais... Quand on se souvient la beauté du temple du temps dans Ocarina of Time... Et ces créatures-là, elles me stressent. Je n'ai vraiment pas hâte d'en affronter une. Mais alors vraiment pas. Bon. Essayons de nous diriger là où on doit aller. Position actuelle. Guidée par la tablette. D'accord. Donc il faut qu'on aille là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Le pont orange par là-bas. D'accord. Alors oui, je sais, je passe par là, mais c'est pour faire le tour comme un grand garçon. On va prendre les escaliers. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, vous avez entendu ce vent. Oh, mais j'ai envie de tout explorer, c'est atroce. C'est atroce et je veux pas vous infliger ça parce que moi ça va être juste de l'émerveillement de ouf à tout faire. Et vous, vous allez vous faire chier à me regarder faire ma petite vie là. Oh là 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 là. Ces bestioles me stressent. Hein. Je ne. Vraiment, j'ai vraiment pas hâte de les affronter. Quoi. Bon, par là-bas. J'aime bien les petits. Les petits mouvements de Link. Quand... Ah, hey. Olé ! Ça c'est fait. Donne-moi ta massue. Voilà. Ah, un coffre. Encore un coffre. Yay, range-moi ça, moi. Super! Mais ça, chouchou, ça t'ira beaucoup mieux. Voilà! Oh, t'es si parfait, mon amour. Ah, oh, da 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 da. Ah, oh, je n'en peux plus. J'ai tellement attendu pour ce jeu. Et je suis vraiment contente que vous soyez beaucoup à m'avoir demandé si j'allais jouer au jeu. Regardez-moi comment il descend comme c'est trop chou. Salut!
Donc je disais oui, je suis très contente que beaucoup d'entre vous m'aient demandé si j'allais jouer au jeu ou pas. Ah, j'ai plus de place. Parce que ça veut dire que, bon, vous aimez quand même bien mes let's play, etc. Donc ça me touche beaucoup. Ça me fait super plaisir. Et je suis très très contente de pouvoir faire ça avec vous, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'ai envie d'aller partout, j'ai envie d'explorer partout, j'ai envie de perdre mon temps à me balader, à écouter le son du vent, le son des oiseaux. C'est tout, j'ai juste envie de... Des herbes d'Hyrule, pleines de vitalité, poussent naturellement dans les prairies d'Hyrule. Utilisées comme ingrédients, elles permettent aux préparations de restaurer des cœurs. D'accord, donc quand on fera de la bouffe... On va pouvoir les mettre. C'est tout, il n'y avait pas plus. Allez, donnez-moi ça. Hop là. J'aime les pommes en plus. Putain, je vais aller là-haut. Ah, je vais aller là-haut. Bon, écoutez. Est-ce que je peux voir où est-ce qu'on va, Link Amour? Où est-ce que tu veux aller, chérie? Là-bas? Alors attends, parce que je crois qu'il y a un pont, chouchou, on va peut-être pas te jeter dans le vide tout de suite. On va monter. Oh, je vais monter dans cet arbre. Qu'est-ce que c'est? Oh non, il y avait un truc. Attends, remonte chérie, remonte. Allez, encore amour. Voilà, doucement. Ah, oh, des œufs. Oh, j'adore. Je croyais avoir vu un pont, mais en fait, je crois que je l'ai fumé, mon pont, non? Oui, si je me jette de là, je crois que je meurs. Bon. C'est là-bas, tout droit. Finalement, on va passer par là-bas. Oh là 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 là. C'est beau. Je le répéterai tout le temps, hein. Je suis désolée, vous allez m'entendre le répéter un nombre incalculable de fois, mais c'est beau. What the fuck are you? Wow! Attends, je vais pas vous buter avec ça. Ça sert à rien d'utiliser ma hache. Qu'est-ce que c'était? De la gelée tutu? Cette masse souple qui ressemble à un tutu est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. Ok, je sais pas du tout à quoi ça va servir, mais... Ok. Allez, nous sommes sur la bonne voie. Je crois que c'est le truc en face, là. Est-ce que ça vous tente qu'on essaye l'arc? Comment on fait? Alors, ça va bien commencer. Comment je fais pour utiliser mon arc? Choix de l'arme, ciblée... Ah, arc! Ok. Oups, je suis un peu loin. Ah, mais par contre, ils m'ont vu, eux. Je suis trop conne. C'est pas grave. Bon, je sais comment utiliser l'arc, c'est déjà ça. Alors lui, je vais le buter, mais avec ça. Oh, l'eau est belle aussi. Fou. Salut. Oh, t'as un bouclier. Tu vas me le donner. Merci. Putain, j'ai appuyé sur B pour... Excuse-moi, amour. Relève-toi, chérie. C'est de ma faute. Ne m'en veux pas. Tu sais que ta femme est un petit peu débile parfois. Par contre, ouais, la hache, c'est très long. C'est très très long. Où est l'épée? Où est l'épée qu'il a fait tomber tout à l'heure? Oh merde. Je l'ai pas prise, hein. Ah shit. Non, rééquipe-toi d'un truc, ça va pas, non, amour.
merde, où est-ce qu'elle est? Bon, et eh ben tant pis, qu'est-ce que les fous disent. Je crois que je suis arrivée. Destination. Veuillez insérer la tablette chez K. Il est trop mignon. J'aime bien tous les bruitages. Oh putain, c'est bon. Tablette chez K reconnue, activation. Quelques secousses sont à prévoir. Des secousses. Oh, 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 oh. J'ai réveillé les bestioles, c'est ça? Oh merde. Oh non. Quelques secousses qu'il avait dit. Link, ça va chérie? Tour du prélude. Récupération des données topographiques. Oh, c'est génial. Oh mon dieu. La carte de la zone a été enregistrée. Oh, c'est génial. Oh putain, c'est trop bien. Reviens-moi, Link. Souviens-toi. 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 Pendant 100 ans, tu es resté plongé dans le sommeil. Quand ce démon aura retrouvé sa pleine puissance, notre monde sombrera dans le chaos. Nous serons tous condamnés. T'as toujours une sale tronche de con. Le temps presse. Ne tarde pas. Ou il sera trop tard. Bon, ça, c'est Zelda qui me parle. Fais vite. C'est clair, net et précis. J'ai encore du mal avec les voix françaises, mais... ça, c'est moi, je pense. Donc apparemment, on aura aussi sûrement des quêtes. Oh, je peux donner des coups de bouclier. Ok, cool. Des quêtes plus ou moins principales et secondaires qui nous permettront d'améliorer, je pense, nos artefacts, nos armes, etc. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir comment je descends ici. Doucement, amour. Ces tours sont vraiment perturbantes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Franchement. Bien joué. Oh putain. C'est ce qui s'appelle avoir du bol, amour. J'ai encore beaucoup de mal avec les commandes. Je sais pas pourquoi j'appuie sur B pour sauter en fait. T'as vraiment du bol chérie, hein, tu le sais ça. T'as du bol aussi d'être avec moi, mais ça c'est autre chose. Je cherche les emmerdes. Mais bon, ça vous le saviez.
Après, la vue est un peu chiante, hein. Elle s'adapte pas. Saute. Oui, allô? Wow! Hi! Tiens, tiens, voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Ben, il y avait une voix, j'entends des voix, je m'appelle Jeanne d'Arc en fait, pas Link. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château. Et cette voix, tu l'as reconnue? Ben perso, oui. Moi, oui. Moi, le joueur, oui. Mais je pense que Link, non. Je vois, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane du château. On voit un peu que ça, hein. C'est celle de Ganon, le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement, a ravagé villes et villages et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Hyrule est sa prison. Et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château? Je pense que oui. Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde par les tréfonds, par les profonds ravins qui l'entourent. Ah oui! Vous voyez, ça me fait penser à Ocarina of Time. Un petit clin d'œil au fait que, avant, on avait certes une belle contrée à explorer, mais on était bloqué par des murs, des barrières. Et je pense que ça, on va pouvoir justement montrer, symboliser l'avancée dans les The Legend of Zelda en dépassant ces limites qui nous étaient instaurées au début. Je trouve que c'est un très beau clin d'œil. Je sais pas si ça a été fait comme ça, mais moi je l'interprète de cette manière-là. Si tu sautais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Ah bien sûr. Évidemment, si tu avais une paravoile, comme moi, ça serait une autre histoire. Une... quoi? Eh bien oui, une paravoile, l'accessoire qui m'a permis d'arriver ici en planant dans les airs. Si tu la veux, elle est pour toi. À une petite condition toutefois. Voyons voir. Passons à marcher, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau, un trésor qui m'intéresse. Ah bon? Génial. On va partir à la recherche au trésor et c'est toi qui vas tout rafler? Hi. Hey. Par ici, suis-moi. Oui. Tu fais deux fois ma taille, mon gars, c'est vachement perturbant. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Elle s'est allumée au sommet. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. Oui, je la vois. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma paravoile, n'est-ce pas? J'arrive pas aujourd'hui. Eh bien moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. D'accord, donc si j'ai... Et un poisson. Si j'ai bien compris, tu veux que j'aille là-bas. Que j'aille récupérer le trésor, que je te le donne en échange d'une paravoile de merde. Alors que je pourrais très bien me la faire si j'avais la bonne idée d'aller chercher un drap. Fuck you!